Chers élèves, bonjour, bienvenue en cours d'économie. Alors, notre séance, elle fait partie encore et toujours de la mondialisation et ses enjeux. Vous avez déjà vu dans une séance précédente le contenu du premier chapitre, les échanges internationaux de biens et services et leur évolution. Puis, on est passé au chapitre 2, l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Deux sections ont été déjà effectuées. La première concernant l'évolution de la structure des échanges internationaux par produit et la dernière qui a été assurée, la séance dernière, on a vu le développement du commerce interbranche et intrabranche. On va passer, lors de cette séance, à la troisième section de ce même chapitre. On va donc étudier la division internationale du travail, DIT. Alors, en effet, cette section sera, comme d'habitude, subdivisée en deux sous-parties. D'abord, on va voir l'ancienne division internationale du travail dans une première sous-partie. Ensuite, on va voir la nouvelle division internationale du travail. Cette séance sera consacrée à la partie grand A, l'ancienne division internationale du travail. Donc, comme on avait l'habitude de faire, on va recourir à des activités et des documents qui figurent dans votre manuel scolaire pour cette partie, l'ancienne DIT. Commençons tout de suite par le premier document. Alors, de la division du travail dans l'entreprise à la DIT. Donc, comme vous avez l'habitude de faire avec moi, donc je fais une première lecture globale du document, puis je reviens sur les idées importantes nécessaires pour répondre à notre problématique. Donc, ce premier document, comme le titre l'indique, va nous permettre de dégager une définition de ce que c'est la DIT de façon générale et de la distinguer de la notion que vous avez déjà étudiée en troisième année, la notion de division du travail dans l'entreprise. Alors, à l'image de la célèbre manufacture d'épingles dépeinte par Adam Smith, dans laquelle chaque ouvrier se voyait affecté à une tâche précise participant à la production de l'atelier. La notion de division internationale du travail, notée DIT, fait référence à la spécialisation des économies nationales dans des activités particulières, laquelle donne lieu à des échanges commerciaux. La participation à la DIT implique en effet, dans un pays, l'abandon total ou partiel des activités les moins efficaces économiquement, qui sont concurrencées par les importations et l'affectation des ressources ainsi libérées, telles que les hommes, les capitaux, les ressources naturelles, aux activités les plus efficaces dont le produit sera exporté. La variété des « made in » indiquée sur les produits que nous consommons quotidiennement offre un raccourci saisissant de la très forte interdépendance des économies. Donc, en effet, ce document nous informe que la notion de division internationale du travail donc, fait référence à quoi ? À la spécialisation des économies nationales. Donc, chaque économie nationale est spécialisée dans quoi ? Dans une activité particulière ou dans plusieurs activités en même temps. Alors, c'est ce qui fait qu'elle peut, par la suite, cette économie, participer dans des échanges commerciaux. Alors, sur quoi se base cette spécialisation? Donc, en effet, le document nous dit que cette spécialisation va se baser sur l'affectation des ressources dont dispose ce pays-là. Et n'oubliez pas, dans le commerce interbranche, plutôt, on a déjà vu la notion de dotation factorielle. Donc, on fait référence à cette notion. Donc, chaque pays, selon ce qu'il dispose de ressources humaines, de capitaux et de ressources naturelles, va décider d'affecter ces ressources dont la production et la spécialisation d'un produit en particulier.
en contrepartie, s'il voit qu'il ne dispose pas de certaines ressources ou certaines ressources font défaut, ou alors certaines activités sont moins efficaces économiquement pour lui, alors il va décider d'abandonner ce type d'activité, de ne pas les faire et de ne pas devenir spécialisé. Et cet abandon, il peut se faire soit un abandon partiel, soit un abandon total. Donc, c'est sur cette base-là que chaque pays va avoir une spécialisation particulière dans des activités particulières. Puisque chaque pays, donc, de son côté, a une spécialisation, c'est comme si donc, on a divisé le travail dans le commerce mondial entre ces pays et chacun va avoir une tâche ou un rôle à jouer. Donc, cette division internationale du travail, c'est elle qui a créé cette forte interdépendance des économies. De ce fait, les économies nationales sont devenues liées les unes aux autres, sont devenues interdépendantes et les unes commercent avec les autres. Donc, cette notion de DIT, même si apparemment, on parle toujours de division et on parle toujours, il y a toujours le mot travail, mais ce n'est en aucun cas la notion de division du travail d'Adam Smith, celle que vous avez vue dans le chapitre Travail, facteur de production, dans le programme de troisième année. D'accord ? Donc, il s'agit là plutôt d'une organisation de travail qui, selon elle, chaque ouvrier va avoir une tâche précise à faire dans l'ensemble des tâches et dans le cycle de production de l'atelier. Donc, là, il s'agit de la division du travail d'Adam Smith au sein de l'entreprise et là, il s'agit de la division internationale du travail. Alors, passons. Compte tenu de ce document, passons à la première prise de notes. Première chose à avoir dans votre cahier, c'est la définition de l'ancienne DIT. Donc, la définition de la DIT de façon générale. Hein. Donc, on n'est pas encore arrivé à l'ancienne ni à la nouvelle. Alors, la notion de DIT suppose que le commerce mondial est organisé selon une répartition des tâches ou des rôles entre les différents pays, de façon à ce que chaque pays ou groupe de pays se spécialise dans la production et l'exportation de certains types de produits vers le reste du monde. Et en contrepartie, il importe du reste du monde autres types de produits. Donc voilà la définition à retenir. Donc passons à ce deuxième document de notre liste de tout à l'heure. Alors là, on va passer effectivement à la DIT traditionnelle et à l'ancienne DIT. Donc, d'après ce qu'on voit dans le document, donc, on va essayer de dégager plusieurs types d'informations. Donc, on a des informations du type cadre spatial et cadre temporel. Et on va voir sur quoi porte cette ancienne division ou cette DIT traditionnelle. Jusque dans les années 1970, les relations commerciales nord-sud étaient structurées par ce que l'on appelle aujourd'hui l'ancienne division internationale du travail. Celle-ci correspondait à un échange de produits primaires en provenance des pays en développement contre des produits manufacturés exportés par les pays développés. Ce n'était que la prolongation du pacte colonial qui, au XIXe siècle, opérait une stricte division des tâches entre la colonie qui fournissait les produits bruts et la métropole qui fabriquait les biens manufacturés. Donc, commençons d'abord par le cadre temporel. Donc, depuis quand a commencé cette DIT traditionnelle? Donc, depuis la signature des pactes coloniaux entre les différents pays. Donc, entre qui et qui? Entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je vous rappelle que cette appellation, vous l'utilisez dans votre cours de géographie. Alors, des pactes coloniaux, donc entre qui et qui? Donc, entre des métropoles qui font partie des groupes des pays du Nord et des colonies qui font partie du groupe des pays du Sud. Alors, c'était donc depuis quand? Depuis le 19e siècle et ça a perduré jusque dans les années 1970. Alors,
Donc ça, en ce qui concerne le cadre spatial et le cadre temporel. Donc, sur quoi s'est basée donc, cette répartition des tâches? Donc, effectivement, elle s'est basée sur des échanges de produits primaires contre des produits manufacturés. Donc, qui étaient les pays exportateurs de produits manufacturés? Donc, les pays développés. Qui étaient les pays exportateurs de produits primaires? Les pays en développement. D'accord? Donc, on dit produits primaires, comme on peut dire produits bruts. On dit en contrepartie des produits ou des biens manufacturés. Passons à un autre document. Toujours concernant la spécialisation des différents pays dans la DIT traditionnelle. Donc, on va voir sur quel type de produits encore portent ces échanges dans la division internationale du travail traditionnelle. Des excédents en matières premières et des déficits en produits industriels définissent les zones insérées dans ce type traditionnel de complémentarité. Ces excédents peuvent être concentrés sur l'énergie, les produits agricoles ou les minerais, selon les dotations en ressources naturelles des différents pays. Les pays de l'OPEP, de l'Amérique latine et certains pays d'Asie, etc., sont caractéristiques d'une telle insertion. Les excédents ont pour contrepartie des déficits en biens industriels lourds, c'est-à-dire à forte intensité de capital et de technique. Par exemple, donc, la sidérurgie, la chimie de base, les moteurs, les machines, le matériel de transport. Cette définition retient une des deux faces de la complémentarité. L'autre face étant constituée par les déficits en matières premières et les excédents en produits industriels lourds. D'autres pays, comme le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Alors, donc, on a, donc, comme vous avez vu avec moi dans la séance précédente, donc, tout ce qui est surchargé en gras et en noir, ce sont des exemples, soit de pays, soit de produits. Alors, donc, la première idée à remarquer et à dégager, c'est que cette DIT traditionnelle, c'est encore basé sur les dotations factorielles des pays partenaires, échangistes, et ça se base sur la notion de complémentarité entre les différents pays échangistes. Pourquoi on parle de complémentarité? Pourquoi les uns complètent les autres dans ce type de division internationale travail? Parce que tout simplement, ils n'ont pas les mêmes ressources. Donc certains ont des excédents en matières premières et en même temps des déficits en produits industriels. D'autres, par opposition, ont plutôt des excédents en produits lourds, industriels lourds, pardon, et des déficits en matières premières. Donc, ce qui fait que le pays ayant un excédent de produits industriels va se spécialiser dans les exportations de produits manufacturés, comme les exemples ici présents à la fin du document, et en contrepartie, puisqu'il a des déficits en matières premières et il n'est pas très doté en ressources naturelles, donc il va les importer. Par contre, les pays qui ont de fortes dotations en ressources naturelles vont, grâce à cet excédent, devenir spécialisés dans l'exportation de produits primaires. Et puisqu'ils ont des déficits en produits industriels, ils vont les importer. Comme par exemple donc, les pays qui figurent ici dans cette liste, donc l'Amérique latine et certains pays de l'Asie qui sont généralement des pays en développement. Alors, deuxième prise de note dans votre cahier, deuxième élément de votre cours. Donc, on va rédiger ou on va donc noter les différentes caractéristiques de l'ancienne DIT. Première caractéristique, l'ancienne DIT correspond à une répartition des tâches entre, d'un côté, les pays développés, industrialisés, que j'ai noté en vert, et leur symbole, ça va être PI en majuscule, et d'un autre côté, les pays en développement, que j'ai noté en rouge, et leur symbole, ça sera donc désormais PED.
Deuxième caractéristique, concernant les pays, ils se sont spécialisés depuis la révolution industrielle dans la production et l'exportation des produits manufacturés, par exemple les machines et les biens d'équipement. Troisième caractéristique, concernant les PED, ils sont depuis toujours connus comme des spécialistes dans la production et l'exportation des produits primaires. Alors, vous avez déjà vu dans la première section de ce chapitre ce qu'on entend dire par produits primaires. Donc, c'est l'ensemble des produits agricoles, des produits des industries extractives, et les produits des industries extractives se subdivisent en produits miniers et en produits énergétiques. Enfin, dernière caractéristique, le commerce entre les PI et les PED est du type interbranche. Pourquoi c'est un commerce interbranche? Puisqu'ils échangent entre eux des produits de différentes branches, comme on l'a vu dans la définition dans la section précédente. Alors, dressons maintenant le bilan de l'ancienne DIT. Alors, d'un côté, on a une spécialisation favorable chez les PI grâce à plusieurs facteurs. De l'autre côté, on a une spécialisation malheureusement défavorable du côté des PED et à cause de plusieurs facteurs. Donc, on va énumérer par la suite donc, les facteurs favorables qui ont amené à ce que les PI ont une situation favorable et les facteurs donc, qui ont donc, bloqué la situation des PED et à cause de ces facteurs-là, la situation est défavorable. Donc, premier élément. Donc, ceci s'explique grâce à la prédominance des produits manufacturés dans les échanges mondiaux de marchandises pour les pays. Et ceci s'explique à cause de la régression ou du déclin de la part des produits primaires dans le commerce mondial de marchandises. Et ces idées-là, on les a ramenées de la section concernant l'évolution de la structure des échanges par produit. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi pour expliquer la situation favorable des pays? C'est que leur commerce extérieur est excédentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur solde commercial est positif. Évidemment, du côté des PED, leur commerce extérieur ne peut être que déficitaire, puisque à chaque fois, leur solde commercial est négatif. On peut se baser sur un autre indicateur du commerce extérieur faisant partie des indicateurs que vous avez vus dans la première section du premier chapitre. Donc, on peut se baser sur le taux de couverture. Alors, chez les pays, il y a une forte couverture. Forte couverture de quoi? Forte couverture des dépenses d'importation par les recettes d'exportation. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'il y a une forte couverture? Quand le taux de couverture est supérieur à 100%. Par contre, évidemment, la situation ne peut pas être aussi favorable du côté des PED. Elle est défavorable parce que les PED ont une faible couverture des dépenses d'importation par les recettes d'exportation. Qu'est-ce qu'on entend dire par faible couverture? C'est que le taux de couverture, le rapport entre les exportations et les importations fois 100 est inférieur à 100%. En se référant aux indicateurs toujours, on peut expliquer donc la situation favorable des pays grâce à l'amélioration de leurs termes de l'échange. Quand est-ce que ces termes de l'échange s'améliorent? Quand les prix des produits exportés augmentent plus rapidement que les prix des produits importés. Donc, dans ce cas, on va avoir un ITE, indice des termes de l'échange, supérieur à 100. J'ai bien dit 100, j'ai pas dit 100%. Faites attention, c'est un indice, ce n'est pas un taux, donc ce n'est pas un pourcentage. Alors, pour la situation défavorable des PED, elle s'explique par le fait qu'ils souffrent d'une détérioration de leur terme de l'échange, leur ITE est donc inférieur à 100, et ceci à cause du fait que les prix de leurs exportations augmentent moins rapidement que les prix de leurs importations. Donc, la partie grande A de la section division internationale du travail
concernant précisément l'ancienne déité, elle est clôturée. Donc, on arrive à sa fin. Pour l'instant, je vais vous proposer une activité de récapitulation et d'évaluation des connaissances qu'on vient de voir. Alors, je vous propose donc placer dans le schéma 6 juin, donc il y a un schéma qui va venir, les termes suivants dans l'espace approprié. Alors, quels sont les termes à placer? Donc, premier terme, exporte des produits primaires. Deuxième terme, exporte des produits manufacturés. Troisième terme, les PI, pays industrialisés. Quatrième terme, les PED, pays en développement. Cinquième terme, importe des produits primaires. Sixième terme, importe des produits manufacturés. Et enfin, dernier terme, gagne dans le commerce interbranche. Donc, voilà le schéma en question. Regardez bien le schéma. Donc, vous avez des cases vides à remplir. Alors, réfléchissez-y et essayez de comprendre pourquoi ce schéma-là, il a l'air d'une balance et pourquoi cette balance, elle est déséquilibrée. Pourquoi ici, il y a un côté qui pèse plus lourd que l'autre. Donc, qui va-t-on mettre de ce côté-là? Qui doit-on mettre de l'autre côté? Quelles sont donc les caractéristiques des pays qui sont placés ici et quelles sont les autres caractéristiques? Je vais vous remettre donc les termes à placer. Essayez donc de réfléchir quelques secondes. Donc, où est-ce qu'on va mettre les pays? Où est-ce qu'on va mettre les PED? Qui exporte quoi et qui importe quoi dans le cadre, bien sûr, de l'ancienne DIT. Voilà le schéma une dernière fois. Et voilà la réponse. Donc, évidemment, du côté du plus lourd, ce qui pèse lourd dans le commerce mondial et dans le cadre de l'ancienne DIT, ça ne peut être que les pays. Donc, ce sont les pays qui gagnent dans le commerce interbranche. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'ils exportent des produits manufacturés et qu'ils importent des produits primaires. Donc, de l'autre côté, on peut mettre les PED. Les PED qui se caractérisent par des exportations de produits primaires et des importations de produits manufacturés. Alors, ceci étant pour cette première partie de la section Division internationale du travail. Je vous remercie pour votre attention. Je vous conseille encore une fois de revisionner la séance pour mieux assimiler. Et je vous invite à suivre la suite dans la prochaine séance. Merci et au revoir.